l'océan, lui. Non, mais ça parle de la pluie. Je chante pas les choses comme tu sais qui ça. Pourquoi je la tape ici? Oui, mamie, elle est connue que la claire belle qui a connu. Mais de toute façon, ce que je vais faire, je vais vite à la langue, je vais dire voilà, tous les problèmes manqués de vous, ça y est, vous me résignez de suite. Bonjour. Pourquoi s'il vous plaît? Tu vas bien? Oui, très bien. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Là, c'est bon. Allô? Oui, c'est Caner. Merci. La porte est ouverte. Je sais pas. Tout à fait. Ouais, impeccable. Tiens, voilà, regarde. Voilà. Ça, c'est avec l'expert judiciaire, hein, criminel, hein. Voilà, regarde. Nouvelle bactérie détectée dans l'eau. Dans l'eau froide, hein. On avait dans l'eau chaude, maintenant c'est froid. Voilà. Tu as vu? Entre le 19 et le 20, on a fait des prélèvements. On a fait des sous-stations, on a fait des appartements. Voilà. Et ils ont trouvé les bactéries. Ça provoque des gastro. Elle a toujours gastro. Ah, donc c'est ça, c'est ça. Mon mari, il a toujours gastro. Donc c'est ça. Il est toute la journée, le matin, je suis malade. Ouais, je sais. Et on ne sait pas pourquoi. Donc on va voir. C'est la santé, c'est notre intestin. Dès que c'est dysbactériose, il y a la dysbalance des bactéries, ça développe des maladies, c'est ça? Après, elle a aussi chute de cheveux. C'est personne âgée, elle a beaucoup de problèmes de la chute de cheveux, le grattement de la tête. Après, beaucoup de problèmes digestifs. C'est beaucoup de. Elle a déjà polype au duodénal. Voilà, problème gastro-intestinal, voilà, problème de santé. Non, tous, on souffre depuis des mois et des mois et ça ne change rien par rapport aux procédures que c'est déjà passé. Voilà, et j'espère que ça va résoudre le problème. Mais là, le problème, c'est qu'on a fait des prélèvements maintenant avec l'expert judiciaire. Oui. C'est la justice qui a envoyé l'expert. Oui. Et là, on a fait des prélèvements et les experts, ils ont trouvé encore des bactéries. C'est quoi, encore oui, encore des bactéries. Non, d'autres bactéries encore. Mais celle-là, c'est sur l'eau chaude, sur l'eau froide. Parce que c'est les jeunes qui sont vieux. Oh, oui, on a eu un problème. Oui, complètement oui. Non, mais justement ils ont commencé les travaux. Mais les tours, ils n'ont pas été encore faits. Oui, regardez, moi aussi. Oui. C'est en disant, j'ai reçu des... Moi, j'arrive pas à faire moi aussi, là, tout ici, partout les mères. Et là, vous savez, sur le... Ma fille, elle a ici plein de boutons qui sont sortis, là, au niveau des mâchoires. Peut-être c'est streptocoque, vous savez. Et on ne sait pas c'est quoi. Elle est sous antibiotiques maintenant. Ah oui, ça, c'est pas bon. Par contre, ce cas, il faut faire... Ce cas, il faut... Parce que là, on va faire notre procès. Voilà, on a eu l'avocat au téléphone, donc on va faire notre procès. Parce que non, ce qu'on va faire, on va se mobiliser et on va faire une réunion. Justement, il y a une dame là, il y a une dame au 8e étage là, on va aller chez elle maintenant. Elle perd carrément les cheveux. Elle perd les cheveux. C'est vrai, elle a gêné, elle a gêné. Oui, mais je sais, voilà. On n'a pas une nouvelle bactérie détectée dans le nez. Cité à sur la cheveux. Plusieurs habitants du quartier comme c'est tracé par des bactéries coliformes et présente une apparence trouble, c'est une honte. C'est insuffisant, des communications sur la cause principale de l'apparition. C'est plus n'importe quoi quand même. C'est vraiment abusé. Et là, c'est une autre bactérie. C'est inadmissible en fait. Et c'est ça qui me gêne, ça qui me fait mal. C'est-à-dire que nous, on se sent délaissés en fait. Si j'ai bonne mémoire, on est passé au mois de mars. Oui, c'est ça, c'était au mois de mars, c'était le 14 mars, il me semble. Et donc, bon, ils n'avaient pas, les dossiers en main, les avocats des bailleurs et tout. Et donc, ils ont demandé un renvoi. Donc après, il y a eu un renvoi et tout. Et nous, le 28 mai... C'était cet été, je crois. Voilà, oui. Et c'était le 28 mai, la justice nous a donné raison. Voilà, elle nous a donné raison et tout. Et donc, elle a demandé aux bailleurs de refaire tous les canalisations, de changer toutes les canalisations, que ce soit horizontales et verticales. Voilà, donc il y a eu ça. Après, il y a eu... donc après, nous, entre-temps, on a rencontré les DG, les directeurs généraux, et on a négocié avec eux, puisque c'est normal que l'eau est contaminée et tout, donc c'est normal qu'ils dédommagent quand même les locataires. Donc on s'est mis d'accord sur 2 années de remboursement des charges d'eau chaude. Voilà ce qui a été fait. Hein. Voilà, donc pour ça, ils ont tenu leur promesse et tout, les paroles, voilà. Et voilà. Et maintenant, le problème, c'est que l'eau froide, il y a toujours ce problème. Bon, entre-temps, on a eu des réunions avec la déléguée, la préfète de l'égalité des chances, voilà. Donc on a discuté avec les bailleurs, on a discuté avec... bon, il y avait aussi des phases de locataires, l'amicale des locataires, on était là-bas sur place, et on a discuté et tout, et on a raconté les problématiques. On leur a dit tout ce qu'il y avait à Air Bel. Je perds des cheveux, ça va faire plus de 3 mois là. Au début je perdais mais pas beaucoup, mais là j'en perds en quantité par poignée en fait. Et du coup en fait je suis partie consulter un dermatologue en urgence. Du coup ils savent pas, enfin, au début ils ont mis ça sur le fait que j'ai accouché, mais là en fait ça s'arrête plus quoi. À un moment donné on va pas remettre ça à cause de la grossesse. Ça fait 4 mois que j'ai accouché et je perds toujours des cheveux. Et même ma fille qu'elle a 1 an et demi, un bébé... normalement, c'est pas censé perdre autant de cheveux comme ça. Là, je perds par poignée. On m'a fait faire des analyses, un gros bilan à l'hôpital Nord. Pour l'instant, au niveau des résultats, il n'y a rien. On m'a fait faire une biopsie aussi. Donc, du coup, là, j'attends encore les résultats. Et si je vois que les résultats, en fait, sont négatifs, qu'il n'y a pas de raison, je vais remettre ça à la raison sur l'eau, en fait. Parce qu'à un moment donné, elle vient d'où cette raison? Un petit bébé, si ma fille, elle perd des cheveux, c'est qu'il y a un lien quand même. Donc sincèrement, c'est inadmissible, je me retrouve tout le devant, pas de cheveux quoi. J'ai perdu énormément de cheveux, si vous voulez, je vous montre des vidéos où en poignée, j'ai plus de... Enfin, je vais vous prendre mon téléphone, je vais vous montrer la vidéo, parce que du coup, à un moment donné, de remettre ça sur la grossesse... Mais surtout qu'en fait, vous êtes plusieurs dans cette situation. Mais il y en a plusieurs là, il y a pas longtemps... Enfin, dans le là, ma mère, elle est venue, elle m'a dit qu'il y a une voisine à elle, enfin, une voisine à nous. En fait, sa maman, elle perd beaucoup de cheveux. Donc du coup, à un moment donné, ça fait trop de personnes en fait. Ça, c'est des cheveux que je perds. Et c'est dans toute la tête. Oh là là. Par jour, je perds tout ça. Oh là là, c'est énorme. C'est inadmissible en fait. Ça, c'était le 9 novembre. Donc à un moment donné, c'est abusé quoi. Ça, c'était le 26 novembre. Ensuite... Alors, est-ce que j'ai d'autres photos? Parce que du coup, à un moment donné, je m'en lasse de prendre trop de photos, en fait, c'est abusé. Et en fait, à chaque fois, quoi. À chaque fois que je lui lave les cheveux, en fait, il tombe par poignée, en tirant. Un bébé ne peut pas perdre des cheveux comme ça. Enfin, tous les jours, non, c'est pas possible. Quoi. Là, vous êtes déjà organisé par rapport au problème de légionellose qui ont été révélés l'année dernière déjà. Oui. Comment vous organisez au quotidien? Ben, je suis obligée d'acheter des bouteilles d'eau en fait. Parce que du coup, on ne peut pas boire avec l'eau du robinet. Donc, du coup, je suis obligée d'acheter toutes les semaines des packs d'eau, en fait. Parce qu'on utilise beaucoup, ouais. Ben, à un moment donné, il ne faut pas se mentir, quoi. Jusqu'à quand ça va durer, en fait? Parce qu'on est là, on nous fait balader, on nous dit non, mais tout va bien, nous allons changer les tuyaux. Mais en fait, dans l'endroit où il y a les tuyaux, enfin, les robinets d'eau chaude et d'eau froide, ça n'a pas été changé. C'est toujours les anciens. Donc, à un moment donné, sincèrement, je suis à bout, quoi. Que à chaque mois de problème, fait, quand j'ai l'eau qui commence à devenir orange, je prélève en quantité l'eau et en fait je lui remets les bouteilles d'eau pour qu'elle fasse le nécessaire auprès des bailleurs. Parce que, voilà. Donc vous appuyez plus sur un relais associatif? Oui, voilà, tout à fait. Et pourquoi vous n'avez pas confiance en votre syndic? Quelque part, non. Sincèrement, non. Parce que depuis tout ce temps, j'ai grandi ici avec ma mère, j'habitais pas ici, j'habitais juste à côté au 73 place du marché. Et l'eau, elle était comme ça, ça fait un moment, quoi. Et ça fait depuis petite, depuis la CE1 que je suis ici. Et l'eau, elle a toujours été comme ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous dire, de nous prendre pour des cons, quoi. Parce qu'à un moment donné, ils ont attendu qu'il y ait un cas de décès pour qu'en fait, l'histoire, elle sorte au grand jour. Mais c'est inadmissible, en fait. On est là, on se retrouve à payer des loyers, des charges eau chaude et eau froide. Mais en fait, on est en 2019 et on n'a toujours pas une eau convenable, enfin potable. C'est pas possible, quoi. Là, ils font quoi comme travaux? Donc là donc, ils ont pratiquement fini les réseaux horizontaux et verticaux. Voilà, donc maintenant il reste encore les 4 tours qui n'ont pas été effectués. Et donc on a parlé avec les techniciens, ils ont dit qu'ils vont entamer les travaux début janvier, entre janvier et février. Et là dans les logements? Eh bien, dans les logements, oui, ils vont attaquer dans... Ça y est, en bas, donc ils ont fait déjà tous les réseaux horizontaux. Vu, je les voyais. Voilà, et maintenant, donc ils vont commencer les réseaux verticaux. Donc les colonnes. Voilà, les colonnes, tout ça, ils vont les commencer là. Là, ils ont dit... entre janvier et février. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ils ne mettent pas du cuivre, ils mettent du PVC, c'est ça? Voilà, non, on appelle c'est du synthétique, ils appellent ça. D'accord. Voilà, donc le produit, c'est plus du galvanisé. Mm. Parce que le galvanisé, ça ramassait tous les déchets, tout ça, et donc ça bouchait carrément les tuyaux. Voilà, et après, ça pourrissait, hein. Ouais, d'où vient la légionellose. Par contre, maintenant, du fait qu'ils ont trouvé des nouvelles bactéries, parce qu'on est passé chez vous dernièrement. Oui, c'est il n'y a pas longtemps. Voilà, et donc on a fait des prélèvements. Quel genre de bactéries? Eh ben ça, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Mais on sait que la bactérie est dans l'eau froide. Dans l'eau froide. Donc on avait déjà la légionellose. Dans le réseau des cuisines ou dans toute la maison? Dans toute la maison. Donc du coup, on ne peut pas utiliser l'eau, quoi. Ah non. Du coup, on fait comment? Le problème, c'est qu'il faut pas. C'est bien beau d'acheter des packs d'eau, mais c'est qu'il faut pas la consommer, l'eau. Il faut attendre et il faut continuer à acheter des. Il faut continuer à acheter des packs d'eau. Non, mais je sais. Moi-même, je suis locataire ici à Air Bel. Tellement j'en peux plus. Voilà, moi-même, je suis touché aussi. Comme relâche, mais autre part, en fait. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais. Voilà, c'est pour ça qu'on va organiser une réunion publique et tout. Je ne l'invente pas. Je suis jeune encore, j'ai 24 ans et je me retrouve sans cheveux, en fait.